Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil régional, du Conseil général, Messieurs et Mesdames les parlementaires, les maires et élus du pays de Meaux, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, le musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, c'est le résultat d'une vie et d'une rencontre. La vie, c'est celle d'un homme d'exception, Jean-Pierre Vernet. Un grand Français, pour reprendre cette formule que vous utilisez parfois, Monsieur le Président, pour honorer ceux de nos compatriotes qui méritent tant de la patrie. Cet homme qui a consacré tant d'années de sa vie à collecter partout ces objets qui permettent de toucher de plus près ce que fut la tragédie de la Première Guerre mondiale. Et la rencontre, c'est celle qui eut lieu un certain 11 novembre 2004, il y a 7 ans, entre Jean-Pierre Vernet et un certain nombre d'élus de ce pays de Meaux où vous vous trouvez, Monsieur le Président, aujourd'hui. Nous n'avions pas le droit de laisser cette collection plus longtemps ignorée du grand public, ou pire encore, dispersée à tous les vents. 50 000 objets et documents uniques. Nous n'avons pas hésité un instant à acquérir cette collection avec en tête une seule mission: apporter notre contribution au travail de mémoire, à la connaissance et à la paix. Nous nous étions même fixé un défi: ouvrir ce lieu le 11 novembre 2011 et vous demander, Monsieur le Président de la République, l'honneur de l'inaugurer, vous qui donnez tant de vous-même au service de la France et de l'Europe. Sans attendre alors, nous avons acquis cette collection, constitué un comité scientifique de très haut niveau, présidé par Monsieur Marc Ferraud, dont je fus, comme beaucoup d'autres de ma génération, un étudiant passionné. Puis, nous avons lancé un concours d'architectes, dont sortit, loin devant tous les autres, le projet de Christophe Labbe, cette dalle immense, sortie du sol, à la fois puissante et humble. Tous les acteurs publics, sans exception, sont alors venus nous apporter leur concours. L'État, bien sûr, qui a classé ce musée en musée de France,
et je veux particulièrement remercier le ministre de la Culture et le ministre de la Défense, le Conseil régional, cher Jean-Paul Huchon, le Conseil général, cher Vincent Eblé, l'un comme l'autre, au-delà des différences qui nous opposent au quotidien, n'ont pas hésité un instant à soutenir ce projet. Nous avons aussi souhaité y associer des entreprises locales, nationales, internationales, dans un comité de mécènes présidé par Alain Minc, que je remercie chaleureusement. Une fois la collection regroupée, le projet défini, les financements trouvés, les ouvriers se sont alors mis au travail. 47 entreprises, tous corps de métiers confondus, accomplissant parfois des métiers rares, précis, hyper spécialisés, ont réalisé, en travaillant jour et parfois la nuit, ce miracle dans les délais impartis, incarnant à leur manière l'excellence française. Je veux exprimer ma reconnaissance à Frédéric Baudin-Cullière, Françoise Rosier, Michel Rouget, ainsi qu'à l'ensemble de leurs équipes qui, au service de la communauté du Pays de Meaux, ont fait un travail exceptionnel, et dire à tous ceux qui ont contribué à cette œuvre unique combien je suis reconnaissant du travail qu'ils ont accompli et fier d'avoir été durant ces 7 années au milieu d'eux et à leur côté. Je veux enfin m'adresser à l'ensemble de mes 69 collègues et amis, maires et élus des 18 communes de notre pays de Meaux, et à travers eux, à nos 80 000 administrés. D'abord pour les remercier de leur soutien sans faille et même enthousiaste, de ce soutien qu'ils ont accordé à mes côtés à Monique Lambinet, Christiane Dutroux et Olivier Morin et Muriel Hérichet. Et ensuite pour vous livrer une réflexion plus personnelle encore. Être choisi par ses concitoyens pour commander aux destinées d'un territoire que l'on aime passionnellement est sans nul doute la plus belle des missions. Elle emporte avec elle beaucoup d'exigences. La générosité, bien sûr, la solidarité à l'égard des plus faibles et l'amour profond et sincère des autres. Mais aussi l'ambition et la fierté d'appartenir à un continent, l'Europe, à un pays, la France, et à un territoire, celui du pays de Meaux, dont le sol fut si douloureusement frappé en ce mois de septembre 1914. Construire des routes, des écoles, des piscines, des hôpitaux est indispensable au développement d'un grand pays moderne et à la qualité de vie de ses habitants. Mais construire des musées l'est tout autant lorsqu'ils viennent appeler les hommes à réfléchir sur ce qu'ils sont et d'où ils viennent, en sollicitant simplement leur intelligence et leur sensibilité. C'est tout le sens de ce musée. Vous n'y trouverez ni perdant ni gagnant. Vous y trouverez seulement l'évocation de ces milliers d'hommes et de femmes qui, en des temps qui furent souvent ceux de nos grands-parents, ont vécu l'une des pires tragédies de l'histoire de l'humanité. Vous le découvrirez au fil de votre visite. Avec ce musée, les élus du pays de Meaux ont voulu délivrer un véritable message de paix, de fraternité et de connaissance, en transmettant aux générations futures un héritage commun dont le souvenir des souffrances endurées par nos aînés ne doit jamais être oublié. Nous souhaitons les aider à comprendre le monde dans lequel nous vivons et à préparer leur avenir. C'est ainsi que nous parviendrons à faire vivre notre mémoire collective, élément fondateur d'une Europe apaisée et rassemblée. Je vous remercie. Cher Jean-François, chers amis, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président Christian Jacob, monsieur le président du Conseil régional, monsieur le président du Conseil général, mesdames et messieurs et mes chers compatriotes. Comme l'a dit Jean-François, c'est avec une très grande émotion que j'inaugure aujourd'hui le musée de la Grande Guerre du pays de Meaux. Oui, de l'émotion, car personne ne peut approcher un lieu de mémoire consacré à la Grande Guerre sans être immédiatement étreint par l'ampleur du sacrifice consenti par tout un peuple, consenti par toute une génération.
Une génération entière, fauchée comme le blé en herbe. Une saignée terrible dont, en vérité, la France aurait pu ne jamais se relever. Des hommes dans la fleur de l'âge, dont des millions de femmes, mères, fiancées, filles, épouses, porteront le deuil toute la vie. Les années 20, contrairement à ce que l'on dit, ne sont pas les années folles. Ce sont des années de deuil, où des silhouettes vêtues de noir rappellent alors aux passants, à chaque coin de rue, à chaque croisée de chemin, au pied de chaque calvaire, l'ampleur, aujourd'hui proprement inconcevable, du sacrifice. Oui, la Grande Guerre a été l'événement fondateur du XXe siècle. Elle a fait disparaître un monde ancien. Elle a accouché d'un monde radicalement nouveau, un monde si plein de bruit et de fureur. La guerre, Jean-François, s'est jouée en grande partie à quelques kilomètres du pays de Meaux. Sur la Marne, entre le 5 et le 13 septembre 1914, certes 4 ans de conflits acharnés allaient suivre avant le dénouement final, mais pour la France, la Grande Guerre aurait pu se transformer en une défaite cinglante si les troupes franco-britanniques, au cours de cette première bataille décisive, n'avaient pas mis en échec le plan qui prévoyait une invasion éclair de la France pour permettre à l'Allemagne de reporter ensuite ses efforts vers la Russie. Ici, dans la plaine de la Marne, la France a accusé le coup, la France a vacillé, mais la France a tenu. La France a tenu comme la France a toujours tenu chaque fois que la grande déferlante de l'histoire a failli l'emporter. La France a tenu car en ce mois de septembre 1914, des dizaines de milliers d'hommes, de soldats, sont montés au front comme on monte au sacrifice. Ils portaient comme à la parade ce fameux pantalon Garance qui fit d'eux une cible facile pour les fusils allemands au milieu des champs. Et il faut bien mesurer, malgré le siècle qui nous sépare des héros de la Marne, la nouveauté absolument radicale de cet affrontement. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, autant d'hommes ne s'étaient combattus avec autant de moyens matériels. La première bataille de la Marne, celle de 14, annonce déjà la guerre totale, la guerre industrielle, et la seconde bataille de la Marne, 4 ans plus tard, de la guerre où l'homme n'a plus le sentiment d'être confronté à d'autres individus, mais à un chaos de fer et un chaos de feu. Entre les deux batailles de la Marne, la guerre s'enterrera et le corps à corps sauvage, dans une violence quasiment archaïque, reprendra le dessus. Les hommes devront vider chaque tranchée gagnée par l'ennemi à la baïonnette ou au couteau de combat. C'est merveilleusement montré dans le musée. Et n'est-il pas frappant d'ailleurs que soit tombé tout près d'ici, à la veille et au lendemain de la première bataille de la Marne, deux écrivains qui auraient dû enchanter le XXe siècle, le lieutenant Charles Péguy et le lieutenant Alain Fournier. Tous les deux sont morts en croyant défendre la civilisation contre la barbarie. Ils inauguraient en fait un siècle qui serait marqué presque de bout en bout par la sauvagerie des génocides. Ce musée, bâti aux portes du champ de bataille, est donc là pour nous rappeler que c'est un drame immense qui s'est déroulé ici, voici près d'un siècle. Pour ne pas oublier cette tragédie, pour la donner à comprendre aux Français et à nos visiteurs étrangers, ce sont des dizaines de milliers d'objets qui seront conservés et exposés au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. Il existe bien sûr d'autres musées consacrés à ce conflit titanesque, mais celui-ci a un sens particulier, car comme l'a dit Jean-François Copé, il est l'émanation d'une vie, on peut même dire de toute une vie, la vie qu'un homme a voulu consacrer au souvenir de ces centaines de milliers de Français qui avaient consenti le sacrifice ultime. C'est votre œuvre et votre vie, cher Jean-Pierre Vernet, c'est cette œuvre et cette vie que je veux saluer, car par votre travail de recherche minutieux et acharné, mené durant plus de 40 ans, vous avez réuni de votre propre initiative, bien avant de trouver l'appui des pouvoirs publics,
une collection extraordinaire, un fonds unique en Europe et peut-être un fonds unique au monde. Vous dites vous-même avoir autant de respect pour un bâton de maréchal que pour un paquet de cigarettes. Eh bien, les pièces présentées au public reflètent ce souci. Dans cette salle, dans ces salles, c'est toute une réalité, toute une vérité qui viennent à notre rencontre. Et moi, je veux saluer votre grande humanité. Parce que derrière le collectionneur et l'historien, il y a l'être profondément humain. Tous ces objets, du plus prestigieux au plus modeste, ont vécu. Ils ont été maniés par des hommes et des femmes pour lesquels cette guerre fut une réalité. En accordant au musée qui accueillera cette collection le label de Musée de France, cher Frédéric Mitterrand, cher Marc Laffineur, l'État reconnaît solennellement la valeur scientifique et historique de votre travail. Alors à cette collection hors du commun, il fallait un écrin exceptionnel. Je l'ai vu, l'écrin, en arrivant en voiture. J'étais impressionné. Je veux saluer le travail de Christophe Lab, l'architecte. Cette réalisation fait honneur à la tradition d'innovation et de créativité de l'architecture française. Et je veux saluer également la persévérance et l'audace de celui qui a décidé en 2005 de mettre un terme à l'itinérance de la collection de Jean-Pierre Vernet. Cher Jean-François Copé, à toi. Car cette itinérance était inacceptable. Comment pouvait-on laisser loin du public un fonds de cette qualité? Merci donc, cher Jean-François Copé, d'avoir permis à ce fonds d'être enfin présenté au public dans les conditions qu'il mérite, d'avoir fait en sorte qu'il puisse demeurer en France à un moment où plusieurs propositions venues de l'étranger faisaient planer la menace de voir la collection de Jean-Pierre Vernet quitter le pays. Comment aurions-nous pu laisser partir à l'étranger ces témoignages? Et un pays qui n'attache pas d'importance à son histoire, c'est un pays qui n'a pas d'avenir, un pays qui n'a pas de mémoire, c'est un pays qui ne construira pas son avenir. Et je veux te remercier, Jean-François, pour ce travail exceptionnel. Enfin, vous me permettrez de dire un mot à Marc Ferraud et au conseil scientifique du musée. C'est grâce à votre pilotage avisé et collectif que le musée pourra atteindre pleinement son ambition culturelle et pédagogique, expliquer la Grande Guerre dans toute sa complexité et dans toutes ses dimensions. Vous avez pris le parti de mettre en valeur le rôle de l'arrière-front dans l'organisation de la France en guerre. Cette guerre fut une guerre totale, mais pas uniquement sur le plan militaire. Elle conditionna en fait toute la société. L'esprit de sacrifice qui animait les soldats habita toute la France, et c'est cet esprit de sacrifice qui a permis d'emporter la décision. Mesdames et messieurs, l'inauguration à laquelle vous êtes aujourd'hui conviés prend également place dans la perspective d'un événement majeur pour notre pays, la célébration, à compter de la fin 2013, du centenaire de la Grande Guerre. Elle en marque d'une certaine façon le lancement. Je souhaite que ce centenaire constitue un grand rendez-vous commun à tous les Français, qu'il soit un moment de recueillement et de réflexion sur notre passé, un moment de foi dans la grandeur de notre destinée collective. Je voudrais d'ailleurs qu'on dise moins que l'on commémore et plus que l'on communie, au sens du partage des valeurs qui sont commémorées. Un événement culturel, un événement scientifique majeur, ce centenaire devra être exemplaire. Nous le devons à tous ces morts qui reposent dans cette terre et qui sont tombés pour que la France reste debout. Je souhaite que cette échéance puisse être anticipée et préparée. Et j'ai demandé au Premier ministre de mettre en place, avant la fin de cette année, une mission de préfiguration du centenaire de la Grande Guerre. Cette mission aura pour objectif de concevoir le programme commémoratif du centenaire. Elle accomplira cette tâche en liaison étroite avec les collectivités territoriales, nos partenaires étrangers, les ministres concernés. Le musée de la Grande Guerre du pays de Meaux aura un rôle éminent dans les commémorations de ce centenaire. Cette initiative participe à la fois au devoir de mémoire et au renforcement du lien absolument essentiel entre l'armée française et la nation française tout entière.
Nous avons commémoré ce matin autour de la tombe du soldat inconnu la filiation immatérielle qui s'établit entre les générations du feu, parce que cette filiation ne doit pas s'éteindre. Il m'est paru indispensable de rénover la cérémonie du 11 novembre. J'ai donc décidé qu'elle serait désormais l'occasion pour la nation de rendre hommage aux morts de tous nos conflits, ceux du XXe siècle aussi bien que ceux des combats présents. Il nous faut nous souvenir de l'ensemble des batailles menées par notre pays, sur tous les théâtres d'opération, au nom de la République, au nom du droit, au nom des valeurs universelles de l'humanité. Parce que pour reprendre la phrase de Georges Clemenceau, le 11 novembre 1918, la France, hier, soldat de Dieu. La France, aujourd'hui, soldat de l'humanité. La France sera toujours le soldat de l'idéal. Il n'y a pas un mot à retirer à ce que disait en 1918 à propos de la France, Clemenceau. Et bien plus que jamais, nos soldats sont et demeurent les défenseurs de ces valeurs intemporelles, et ce musée est là pour le rappeler au monde. Je sais que derrière le corps de chaque soldat français qui tombe aujourd'hui au champ d'honneur, pour que nos principes les plus sacrés restent vivants, se lève l'ombre gigantesque de cette armée des morts qui ont sauvé la France. Il y a une filiation entre les morts d'aujourd'hui, nos morts et ceux d'hier. Ce sont les mêmes jeunes, animés du même idéal, accomplissant le même devoir et méritant le même respect. Et le jour où ce respect n'existe plus, il n'y aura plus de France. Le jour où cette mémoire ne sera plus honorée, il n'y aura plus de France. Et le jour où on ne connaîtra plus la signification de ces valeurs, de courage, d'engagement, d'honneur, de dignité, d'amour de la patrie, il n'y aura plus de France. Et moi, je souhaite que la France continue longtemps. Vive la République et vive la France. Je vous remercie. Les Allemands tirent à 120 km, hein, 4 ans. À Bertha. À Bertha, oui. Toujours en relation avec la thématique des petits films d'archives qui permettent d'expliquer, de remettre dans le contexte. Comment vous marchez l'histoire, comment vous marchez le verre, comment vous marchez le mathématique. Je tiens à regarder tous les films, il y a 4 ans. Oui, c'est très dense, les différents niveaux de lecture qu'on peut avoir. Traduit en anglais et en allemand. Et en même temps, c'est une guerre très très moderne.